Un jour, une expression. Un jour, une expression. O zi, o expresie. Être fauché comme le blé. Être fauché comme le blé. Être fauché comme le blé se traduit mot à mot. Être fauché comme le blé se traduce mot à mot. Ad literam, cuvânt cu cuvânt. A fi secerat sau secerată ca grâul. A fi secerat sau secerată ca grâul. Dar, c'est une expression. Este o expresie. Donc, deci, on ne peut pas la traduire mot à mot. Nu putem să o traducem cuvânt cu cuvânt. Fauché comme le blé, être fauché comme le blé, semnifică, se traduce, ne pas avoir d'argent, ne pas avoir d'argent, a nu avea bani. En roman, în română, être fauché comme le blé, se traduce cu, a fi lefter sau lefteră. A nu avea niciun ban. Exemplu. Jean a perdu tout l'argent en bourse. Il est fauché. Jean a perdu, Ion a pierdut tout l'argent en bourse. Tout l'argent en bourse. Toți banii la bursă. Il est fauché. Este lefter. Nu mai are niciun ban. Être fauché. A fi secerat sau secerată. Par exemple, pot să spun de exemplu, l'herbe est fauchée. Iarba este secerată. Mais quand je parle d'une personne, când vorbesc despre o persoană, être fauché, înseamnă a fi lefter sau lefteră. L'argent, bani sau bani. L'argent n'a pas de pluriel. Banii nu au plural. Le blé, grâul. Mais attention, le blé est synonyme aussi avec le fric, le pognon, l'argent. Dar este sinonim cu le fric, le pognon, l'argent. Da? Cașcavalul, banii, paralele. Perdre en bourse. A pierde la bursă. La perte, pierderea. Gagner, a câștiga. Le gain, câștigul. Attention, vous savez que A-I se prononce E. Știți că A se pronunță E, se citește E, se li E, se citește E. Mais, parce que nous avons le N final, pentru că avem N-ul, adică N-ul final, on doit prononcer le gain. On ne prononce pas le gain, nous prononcem le gain. Le gain, câștigul. Merci d'avoir regardé la vidéo, mulțumesc pentru că v-ați uitat la video. N'oubliez pas de vous abonner, nu uitați să vă abonați à la chaîne, la canalul Le Français avec Gabriel. Le Français avec Gabriel. Franceza cu Gabriela. A bientôt! Pe curând!